Bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, je m'appelle Nunes Maria. Je suis en France depuis 2006. Donc, ça fait des années et des années. J'ai fait ce vidéo-là pour aider quelqu'un, un monsieur qui est client à moi et qui m'a posé une question. M'a posé une question, je l'ai écrit parce que voilà. Donc, lui me demande, mon chien, il est malade depuis 3 jours. Il mange rien. Il ne fait pas ses nécessités. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir avec ce temps-là qu'on passe de confinement? Au siège, est-ce que eux aussi vivent son histoire de confinement comme les êtres humains? Donc, moi, je fais ce vidéo-là et ça va permettre à lui aussi de voir. Après moi, les animaux, ce sont des âmes. On est des âmes, nous, les êtres humains, on vient pour travailler notre corps physique et spirituel, n'est-ce pas? Notre corps matière et là-dedans, spirituel. Après moi, c'est exactement pareil. Les animaux, eux, viennent aussi pour nous aider. Si. Pour nous aider, il nous aide beaucoup quand on comprend ces messages qu'on peut recevoir à travers d'eux. Eux peuvent nous aider beaucoup, mais pour ça, il faut travailler avec les animaux, travailler en soi et travailler avec les animaux. À comprendre comment se marche-t-il notre corps humain et eux aussi, puisque eux sont des âmes aussi qui viennent pour nous aider à porter des messages comme les oiseaux et tout ça, et pour nous faire passer des messages et nous aussi pour les aider à son évolution spirituelle. Donc, eux, autant que dans la matière, ils font son chemin aussi à eux, son évolution. Donc, c'est pour ça que j'ai eu un chien au Portugal pendant presque 16 ans. 16 ans, j'ai dû lui donner à quelqu'un quand je suis venue, puisque je venais habiter dans une petite chambre de l'autre côté de France, à côté de Suisse. Et donc, je venais dans une petite chambre et je ne pouvais pas le ramener. Donc, la personne qui me louait la chambre permettait pas. Donc, j'avais même pas de travail, mais ça, c'est notre histoire. Et donc, je pouvais pas. J'ai trouvé une famille avec un garçon de 3 ans pour lui donner mon chien. Un an après, je suis allée pour le rechercher, pour le ramener, puisque j'avais du travail, je pouvais lui ramener. Et malheureusement, quand je suis arrivée, Louis avait décédé déjà. Ils ont fait une piqûre dans le chien parce que le chien, je l'ai trop manqué. Il a senti mon manque. Et pendant toutes ces années, je rêve quand j'ai besoin d'aide, quand j'ai besoin de rentrer en contact avec lui, et lui a besoin
de rentrer en contact avec moi, quand on a besoin de l'un ou de l'autre, quel que soit dans mes voyages astrales, dans mes rêves, dans mes épineuses régressions dans la vie, je me retrouve avec. Voilà, il m'a aidé beaucoup et de temps en temps m'aide aussi. Sachez-vous. Et je l'ai soigné, mon chien, je l'ai soigné pendant presque 16 ans au Portugal avec mes soins personnels et spirituels. Donc, moi, je suis dans le département 82, à côté de Toulouse aujourd'hui, et moi, je soigne mes deux chiennes que j'ai ici. Et je suis thérapeute en médecine naturelle, donc je fais des soins énergétiques ici. J'ai mon cabinet ici, à côté de Toulouse, à Molière. Et moi, je fais des soins aux âmes, aux âmes êtres humains. Je le guide dans leur chemin à eux. J'ai fait des soins spirituels, comme j'ai déjà parlé plusieurs vidéos de ça. Ça dépend de chaque être humain. Chaque être humain, c'est différemment. On a besoin des choses différemment, des soins différemment, puisque notre chemin est tout simplement chacun a son chemin à tracer. Et personne ne le trace de la même manière et avec le même sentiment, de la même façon, puisque chacun des êtres humains joue son rôle. C'est comme faire ses pièces pour le théâtre, pour un film. Chacun fait son rôle. Donc, chacun de nous, on a son chemin à faire. Je soigne mes deux chiennes qui, à 2 jours, elles ne mangeaient pas. Elles ne mangeaient pas, presque. Elles ne voulaient pas sortir. Elles ne sortaient pas de mon côté. Elle ne voulait pas sortir. Elle voulait que rester à mon côté. Elle voulait que mes câlins sur elle deux. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui va pas? Eh bien, j'ai pensé bien et j'ai trouvé la cause de ce message là. Eh bien, moi aussi, je me suis remise en question et moi, je l'ai soignée. J'ai fait des soins hier, je fais aujourd'hui et maintenant, elles sont sorties, elles sont dans le jardin. Donc, les chiens, ce sont des êtres qui sont avec nous pour nous aider, pour nous aider à évolution et pour que on les aide à son évolution aussi. Sachez-vous. Et ce sont des âmes merveilleuses que parfois, quand on les comprend, quel que soit le mien en Portugal pendant 16 ans, quel que soit ici, c'est là que je les ai déjà depuis de 2016. Donc, elles aussi, elles, je les soigne depuis de 2006. J'ai jamais ramené au vétérinaire. Donc, il suffit que je comprenne ce qu'elle veut me dire et que je me remise en question et que je trouve la mémoire à transmuter les soins qui le correspondent à elle et les soigner. Et voilà, tel comme en moi,
Même aussi, j'ai besoin de mes soins, elles ont besoin de ces soins. Et maintenant, avec ce virus-là, coronavirus, elles ressentent aussi, puisqu'elles sont dans leur chemin, à eux, les animaux. Donc, eux aussi ressentent, eux aussi passent des choses en elles. Voilà. C'est ça que je voudrais dire. Et ça va servir pour ce monsieur-là. Et autant que pour vous aussi. Sachez-vous que les animaux, on peut les soigner aussi avec l'énergie divine, avec Reiki, magnétisme, puisque je soigne aussi les animaux. Je soigne les miens aussi. Et même au Portugal, j'ai soigné. La preuve, faire confiance dans le divin et tout peut changer. Voilà, à la prochaine et j'espère pouvoir vous aider. Un jour d'ici, je ferai sur où manger de la viande des animaux. Je ferai une vidéo comme ça aussi. Partagez pour aider d'autres si vous avez aimé, si ça vous a pu aider, puisque je prépare ici, je prépare les choses pour vous aider. J'essaie de vous aider au mieux possible et parfois, vous pourrez aider les autres aussi. À bientôt.